Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo assez fun où on va parler de mes sosies, des personnes qui me ressemblent ou qui ont juste un air avec moi. Je vous ai questionné sur Instagram pour vous demander les personnes qui me ressemblaient. J'avais vu cette vidéo il y a quelques jours sur la chaîne de ma copine Charlène Stormette. Je vous mets la vidéo dans la description de la vidéo, ça m'a fait trop rire quand j'ai vu la sienne. Surtout les personnes qui disaient par exemple qu'elle ressemblait à Céline Dion. Enfin vraiment ça m'a fait beaucoup rire de voir à quel point on peut avoir une vision différente des choses. Donc j'étais très curieuse de savoir à qui vous pensiez que je ressemblais. Donc je vous ai posé la question sur Instagram, j'ai eu pas mal de réponses et on va regarder ça ensemble. J'ai sélectionné 8 personnes, ce qui revenait le plus. Donc on va commencer. Désolée pour l'éclairage, le cadrage, je suis dans une toute petite chambre et je perds un peu ma voix à cause des journées en scooter. Voilà, en tout cas si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et c'est parti, suivez-moi aussi sur Instagram pour participer à ce genre de vidéos, voilà, si je recommence. Donc le premier commentaire que j'ai eu, c'est l'actrice Helene Hunt. Donc je vous mets une photo, je me décale un petit peu quand même à chaque fois, d'elle plus jeune, parce que j'espère, voilà, que c'est plus jeune que je ressemble et pas maintenant. Moi je trouve pas qu'il y ait spécialement de ressemblance. Peut-être la bouche, voilà, j'ai quand même la bouche fine, elle est blonde. Mais après non, je trouve qu'elle a un grand front et tout par rapport à moi. Moi je suis pas trop, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à chaque fois si vous trouvez que je ressemble à la personne ou pas. Faire une liste, la personne à qui je ressemble le plus, le moins. Deuxième commentaire, là ça m'a vraiment choquée parce que je trouve pas du tout, c'est Miley Cyrus. Donc vraiment je me suis jamais dit que je lui ressemblais. Peut-être qu'on m'a dit ça juste pareil par rapport à la couleur des cheveux, les yeux verts aussi. Mais après on n'a pas du tout la même forme des yeux, de visage, nez, bouche, non pas du tout. C'est assez étonnant quand même de voir vos réponses, ça me fait beaucoup rire. Troisième personne, c'est celle qu'on me dit le plus sur YouTube ou sur TikTok, je reçois beaucoup de commentaires, oh, tu ressembles beaucoup et tout. C'est Jenny de la chaîne YouTube Le Monde à l'envers. Donc ça vraiment je suis choquée des fois sur TikTok, je reçois ah t'es la fille de la chaîne Le Monde à l'envers et tout. Je suis là mais pas du tout, enfin surtout moi je trouve pas du tout que je lui ressemble. Oui pareil, voilà, elle est blonde, elle a peut-être les yeux verts, mais non, je sais pas, ça s'arrête là pour moi, mais n'hésitez pas à me dire les commentaires, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je reçois énormément sur YouTube et sur TikTok. Quatrième personne, on m'a dit ça aussi sur Instagram, c'est les jumelles Anaïs et Manon qui ont fait Secret Story et qui ont la chaîne Manaïs World. Qu'est-ce qu'il y a? Je leur ressemble pas du tout, les jumelles... Ah non, là par contre, pour le coup, pas du tout, mais vraiment pas. Mais je sais pas pourquoi on dit ça. Non, autant tout à l'heure c'était un peu plus proche, mais là non, là c'est vraiment très loin. À part la couleur des cheveux. En cinquième, c'est l'actrice Sarah Michelle Gellar. Là j'étais trop contente de voir ça, puisque vraiment quand j'étais petite j'étais complètement fan d'elle. À l'époque où elle jouait dans Buffy et Scooby-Doo, quand elle jouait Daphné, je la trouvais trop belle, je voulais trop lui ressembler. Après je trouve pas spécialement non plus que je lui ressemble, à part voilà, blonde, yeux verts et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas je trouve ça trop drôle de faire cette vidéo, n'hésitez pas à la faire aussi si vous avez une chaîne YouTube ou à demander à vos proches à qui vous ressemblez, parce que vous pouvez quand même être surpris. Ensuite il y a quelqu'un qui m'a dit Julie Gayet. Non. Non encore moins, enfin je trouve qu'on a pas du tout la même forme de visage, pas les mêmes yeux, pas le même nez, pas la même bouche. Là je sais pas du tout non plus où vous avez trouvé ça. Mais après en même temps il y a aucune personne que je trouve ressemblante. Parce que franchement je sais pas à qui je ressemble, jamais j'ai vu quelqu'un, je me suis dit tiens on se ressemble énormément. Toi une fois Sacha on avait trouvé un sosie de toi hein, sur ah oui, on l'a même confondu avec mon... Ouais. Au début on a cru que c'était moi et que c'était une mauvaise blague. Ouais c'était mes copines qui m'avaient envoyé une photo d'un gars mais sur le coup j'ai cru que c'était Sacha. Ouais j'avais posé pour un mais kiné. Bon. Ouais mais il avait un tatouage donc non c'était pas toi mais... Avant dernière personne et ensuite je finirai avec une aussi qui est énormément revenue sur Instagram. Donc avant dernière, là par contre on me l'a dit qu'une seule fois donc aussi je trouve qu'on s'en sent pas. C'est l'actrice Jennifer Lawrence donc qui joue dans Hunger Games notamment. Donc quand elle est blonde, oui je veux bien un petit peu plus pour les yeux et tout. Mais après j'ai pas du tout par exemple la même bouche qu'elle. Non j'ai beau regarder plein de photos, j'ai du mal à voir la ressemblance mais bon je sais pas. Et enfin la personne qui revient le plus avec Jenny de la chaîne Monde à l'envers, c'est Lily Renard. Oh je sais pas comment on prononce son famille. Mais celle qui joue Betty Cooper dans Riverdale. Sacha, t'en penses quoi? Peut-être un peu au niveau du nez et... Faire les oreilles? Ah ouais, avec les oreilles. Faire les oreilles, je suis pas trop... Alors je fais la même coupe. Bon, je trouve pas non plus, mais après, oui, je trouve qu'il y a plus de ressemblance avec elle que par exemple avec Julie Gayet ou Jennifer Lawrence. Donc voilà, je vous ai montré les personnes qui revenaient le plus dans le sondage Instagram. N'hésitez pas à me dire à qui je ressemble le plus. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup rire de faire cette vidéo et de voir vos résultats. Je faisais que actualiser la page du sondage. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.